Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Kirito, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur un nouvel épisode de votre Let's Play sur Sword Art Online Holo Realization. Et nous devons en être à l'épisode numéro 8, je pense. Dans l'épisode précédent, on avait donc affronté le golem qui était dans la forêt et on avait récupéré une pièce, un noyau, quelque chose qui va très certainement nous servir sur ce golem là. En tout cas, moi c'est comme ça que je vois la chose. Cœur du géant utilisé sur le golem brisé. Forcément, ça va faire quelque chose donc. Ah tiens, il s'active. Comme de par magie. Oh, faites pas vos surpris, c'était sûr. Comment il se la joue? Il va falloir qu'on passe en force. Éliminez les ennemis qui vous barrent la route. Ah bah ça n'a pas été trop difficile. Ouf, on a triomphé. On continue? Trouvez un moyen de vous débarrasser du golem. Terminé. Bon, on va quitter le lac. Qu'est-ce que je voulais faire? Bon, ben c'est fait, on a quitté le lac. Et on se retrouve donc dans les gorges de Sofinastrum. Qu'est-ce que c'est que ce nom à rallonge? Bon, ben nous voilà dans les gorges de Sofinastrum. Première chose à faire, activer le téléporteur. Ouais, activation terminée, vous pouvez utiliser. Bon, mais il n'y a plus qu'à traverser les gorges. Je suis pas trop chaud là. Parce que de mémoire, c'était un peu long par ici. Et puis après, il y avait cette histoire de poudre à canon après. Oh là 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 là. Ouais, le début du jeu, ça m'avait fait beaucoup réfléchir. C'était un peu la galère quand on n'est pas habitué. Après, ça va tout seul au fur et à mesure des autres zones, mais au départ... Wow, 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 wow. Oh, je pense que je ferai une ellipse parce que... Tous ces trucs... Bon, déjà, on a refait l'équipe. Franchement, ça gâtait pas. De toute façon, il me fallait un soigneur dans l'équipe. Du coup, je me retrouve avec deux attaquants. J'avais compris qu'il y avait un moyen de changer les jobs, mais... Bon, ça va. Voilà, on va se débarrasser de tous les chatons de la zone. Là. Minou, minou, minou. Bête à crinière. Viens la nuit. Makasete kudasai. Qu'elle a dit la petite Silka.
si elle veut, tant qu'on la laisse faire, on va la laisser faire. Hein. Ouais, mais je suis réglé sur claim de toute façon, c'est pas dramatique. Hein. Bon. Voilà, Sword Art Online. Sword Art Online. Une série qui est pas... qui est très récente, hein, qui est pas si vieille que ça, et pourtant qui a un succès phénoménal. On est à combien d'adaptations de jeux, là? Il y a eu le premier, Infinity Moment, sur PS... portable, je crois. La PSP. Infinity Moment sur PSP. Il y a eu le même jeu, un remaster, si vous préférez, ou plutôt un remake, sur PlayStation Vita, qui s'appelait du coup Hollow Fragment, qui a eu récemment droit à une adaptation remasterisée un petit peu en HD, sur PlayStation 4 donc. Hollow Fragment, comment vous... comme vous voulez le prononcer, moi je l'appelle Hollow Fragment. Ensuite, il y a eu Lost Song, également sur PS4 et Vita, dans le monde d'Alfheim Online, que j'ai bien aimé d'ailleurs. Lost Song, que vous pouvez retrouver en let's play sur la chaîne. J'hésite à faire Hollow Fragment, puisqu'il est en anglais. Mais avec un petit peu de courage, peut-être que je pourrais avoir l'envie de vous le traduire. Qui sait ? Ensuite, il y a un truc sur PC, je crois, c'est SAO Legend. Il y en a un qui est sorti aussi il n'y a pas longtemps sur mobile. Il a l'air pas mal, mais j'ai plus son nom. Sword Art Online. Ah, Memory Defrag. C'est bon, c'est revenu. Memory Defrag, il est vraiment pas mal. Bien sûr, on a le Hollow Realization auquel on est en train de jouer actuellement. Et il devrait vraiment y avoir dans très peu de temps. D'ailleurs, au moment où je commence cette vidéo, il se peut que je sois déjà en train de le faire en let's play sur la chaîne. Puisqu'il sort le 7 juillet, là, donc... ouais, normalement, il devrait y avoir les premières vidéos de celui-ci sur la chaîne. C'est Axel World versus Sword Art Online Millennium Twilight, le jeu qui réunit donc les deux romans, les deux light novels du même auteur, Reiki Kawahara. Donc Axel World et Sword Art Online dans le même jeu, dans le même univers. Ils vont aller dans le monde d'Alfheim Online, ou plus précisément dans son extension Svart Alfheim. Oh. J'ai du mal avec les noms nordiques. Et bon, je sais pas du tout qu'est-ce que ça se passe au niveau de l'histoire. Je sais que la petite Yui disparaît mystérieusement, que pour la retrouver, il va falloir affronter les rois du monde d'Axel World, et du coup qu'on va faire équipe avec Black Lotus, la Koroyuki Ime, et Silver Crow et tous les autres. Le jeu annonce une trentaine de personnages jouables, tous jouables, et non Kirito et l'avatar, comme dans celui-ci. Donc on verra bien ce que ça va donner. Hein. Et ça n'a pas encore été officiellement dévoilé, mais notre jeu Sword Art Online est en chantier. Et il ne sortira pas sur PlayStation Vita celui-ci, mais ils vont se concentrer sur les nouvelles consoles, PS4, Xbox One. Je crois que ça a parlé également du PC, ou c'était Nintendo, ou la Nintendo Switch, je sais plus. Je veux pas dire de bêtises, donc je m'avancerai pas trop. PS4 et One sûr. Donc ça risque de profiter au maximum des capacités de la nouvelle génération. On verra bien ce que ça va donner. Écoutez, moi je demande que ça. Un Sword Art Online, vous imaginez ? Un Sword Art Online en monde ouvert, sans temps de chargement, sans zone comme ça, intercoupée avec de grandes villes. Comme dans un vrai MMO, quoi. Moi, je dis, c'est faisable. Ou est-ce qu'il y aurait même moyen de faire un vrai MMO Sword Art Online?
mais avec quand même une histoire principale. Ça pourrait être sympa, ça aussi. On verra, on verra. Toujours utile que la licence a de quoi faire. D'ailleurs, je me suis récemment mis au manga Sword Art Online Progressive. Et franchement, j'ai adoré. Si vous ne le connaissez pas, ce manga Sword Art Online Progressive, en fait, ça reprend exactement ce qui s'est passé dans l'arc de Lankrad, mais en beaucoup plus détaillé. C'est-à-dire que là où l'anime a vraiment survolé tout ça, Sword Art Online Progressive, bien qu'on soit un peu plus du point de vue d'Asuna que de Kirito, mais bon, on alterne bien entre les deux. Franchement, le truc du forgeron avec un trouble de la vue, le PK, la tension de Lankrad, quoi, le fait de retrouver cette tension de la mort. Et puis le combat mythique contre le premier boss, là, le kobold. Franchement, sur Sword Art Online Progressive, ouais, j'ai retrouvé une ambiance qui m'avait un petit peu manqué. Une ambiance un peu plus mature, un peu plus sérieuse. Qui avait disparu quand ils sont arrivés sur Alfheim Online. C'était déjà beaucoup plus joyeux, beaucoup plus... ils étaient là pour s'amuser sur Alfheim. Là, le fait qu'on soit à nouveau sur Aincrad dans Sword Art Online. Ouais, le manga Progressive était vraiment très très bien. Ouais. Allez, faut trouver l'entrée de cette grotte. Et j'espère qu'on n'en est pas trop loin.
Bien, comme d'habitude, je vous ai laissé un petit peu profiter de l'ambiance. Là, je reprends un peu la main. De toute façon, on est quasiment à l'entrée de la grotte. Ouais, elle est là. J'étais en train de me calculer si sur PS4 Pro, l'enregistrement avec Cher était toujours bloqué à 720p ou en 1080p. Fort, je regarde dans les options. Oula, oula, il y a du mob. Oula, la terre tremble. Qu'est-ce que c'est? Un séisme? Ça s'est arrêté. Qu'est-ce que c'était? Ouais, je crois que c'est l'autre et sa poudre à canon. Là, on arrive au passage qui a rebuté énormément de joueurs parce que absolument pas indiqué en fait. Faut vraiment savoir où c'est, retourner toute la zone sans dessus dessous. C'est ce que j'ai fait, hein. La première fois que j'ai fait cette quête, j'avais pas eu d'aide parce que j'aime bien faire les choses tout seul à ma manière. Donc j'avais retourné la zone, toutes les zones des plaines de Rustoria sans dessus dessous et j'ai fini par tomber dessus. Oui, je suis comme ça, je suis un joueur qui a du temps à perdre. D'ailleurs, vous pouvez le voir dans le premier let's play que j'avais fait sur ce jeu. Hein. Je rappelle donc que j'avais fait un premier let's play de 9 épisodes sur la première zone, les plaines de Rustoria, pour ne pas spoiler la suite. Pour ne pas spoiler la suite du jeu. Et du coup, je crois que la vidéo sur le dragon est l'une des plus vues de la chaîne. Pour vous dire comment les joueurs ont dû galérer. Encore des secousses. Ça ne ressemble pas à un séisme. On entend des cris là-bas. Je dois aller voir. Et donc, comme je le disais, ouais, cette quête sur le dragon, la graine explosive et tout pour la poudre à canon, c'était. Elle est tellement mal indiquée. Moi, j'avais rien d'autre à faire. Alors, je me suis promené dans les régions d'Ingram et j'ai fini par tomber dessus. Hein. Mais c'est vrai que un petit coup de main, ça aurait pas été de refus. Alors là, pour ce let's play, ça devrait aller assez vite parce que je me souviens très très bien où se trouve le dragon. Et la graine, elle était dans les gorges, si je me souviens bien. Donc, rien de trop compliqué. On est arrivé. Il va nous donner la quête. Tous ces rochers bloquent la voie. Oh non! Ce glissement de terrain a bloqué la route. Hein? C'est un PNJ de quête. Peut-être qu'il peut donner un indice pour poursuivre. Vous sauriez comment on peut enlever ces rochers? Eh bien, je pourrais les réduire en morceaux avec de la poudre à canon, mais je n'ai plus les matériaux pour en faire. Ah, d'accord. Je dois aller chercher les matériaux et les rapporter ici. Je peux aller vous chercher ce qu'il faut. Vraiment? J'ai besoin de deux matériaux. D'abord, une graine explosive
Elle pousse dans le ravin à l'entrée de la mine. Et j'ai besoin d'une serre de dragon. C'est plus difficile à trouver. Vous allez devoir vaincre le dragon à l'ouest de la mine pour en récupérer. Une graine explosive et une serre de dragon. Je m'en occupe. Je pourrai dégager ces rochers si vous rapportez ces matériaux. Faites attention. Cherchez les matériaux nécessaires à la fabrication de la poudre à canon. Eh bien... Ouais, donc là où ça perturbe les joueurs, c'est que le marqueur de Kert est bien sur les gorges. Le dragon, donc, il est pas très très loin. Montagne de 13 000. Nous, on est le petit marqueur avec la flèche. De toute façon, c'est pas bien compliqué. Bon, cette histoire de poudre à canon, ça sera pour le prochain épisode. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut, salut! C'était Kirito Knight 064, alias Kirito.